Working for Children est une organisation basée au Cambodge supportant la communauté de Réoul, le village local, avec des projets de développement durable. Sur le site même de la fondation se trouve l'orphelinat Rainbow, qui accueille maintenant plus d'une vingtaine d'enfants et qui nous ont accueillis pendant 3 semaines. L'organisation est dirigée par Paul Pine, le directeur de 3 écoles dans la région. Je sais pas, je me sentais comme à la maison. T'sais, on était tous ensemble, puis là, les gens nous accueillaient, puis ils nous ont fait à manger, on était toutes là. Puis je trouve que comme chaque édifice a comme son charme, même si on n'est pas. Tu sais, on est confortable, mais c'est pas le gros luxe. Je trouve que genre, on trouve notre confort, puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Tu sais, on se sent à la maison, puis il y a du monde partout qui nous parle. Le projet de construction se déroulait à 7 km de la fondation, sur le site de l'école primaire Cocknell. Notre objectif principal était de répondre de manière efficace à une problématique dans la communauté et de faire un impact direct. Donc, après avoir constaté que l'école n'était pas adaptée au nombre d'élèves, nous avons réalisé que les enfants étudiaient quelquefois dans la cour d'école par manque d'espace dans les classes. Malheureusement, durant la saison des pluies, il devient impossible de le faire, causant à certains enfants de ne pas se présenter en classe. De ce fait, la meilleure contribution que nous pouvions faire à l'école était donc la construction d'une cabane de lecture. La cabane servira d'extension à l'école pour permettre aux enfants d'y manger durant les heures de repas, l'enseignement aux élèves durant la saison des pluies et la possibilité d'effectuer des travaux scolaires. Avec l'aide de constructeurs expérimentés et de professeurs, nous avons eu le temps de compléter la construction en l'espace de 2 semaines. Notre travail ne s'arrête pas là, car nous avons aussi réalisé un autre objectif qui nous tenait à cœur, soit l'installation de contenus pédagogiques sur des ordinateurs accessibles aux jeunes étudiants de l'école. Donc, l'objectif de notre projet, c'était d'offrir un accès à l'information pour les orphelins de Rainbow, parce qu'ils n'ont pas un accès Internet ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un serveur rempli de contenus médiatiques, comme l'encyclopédie Wikipédia, des vidéos, des images. Dans un cadre plus pédagogique. Et donc ça sert aux étudiants pour découvrir un peu le monde, surtout s'ils n'ont pas beaucoup d'accès à l'information ici. Donc nous avons eu l'aide de l'équipe des techniciens du Collège Sainte-Anne qui nous a offert des ordinateurs portatifs et du matériel informatique qui était nécessaire pour la réalisation du projet. Donc ça comprenait un projecteur, 8 ordinateurs portables, ainsi que des câbles et des chargeurs qui étaient nécessaires. Suite à la construction et à la réalisation du projet Techno, nous avons donné des cours d'anglais aux élèves de l'école primaire. Notre bénévolat à l'aide aux devoirs, avant notre départ au Cambodge, nous a préparés pour l'enseignement dans les classes sur place. De plus, nous avions prévu un budget pour acheter du matériel scolaire et des livres écrits en khmer, la langue locale, et en anglais. Avant notre départ, nous avions aussi fait l'achat de 200 cahiers Canada et des crayons pour l'orphelinat. Nous avons fait le don de tout ce matériel lors de notre dernière journée à l'école, en plus de donner aux enfants des sucettes glacées. Notre projet, c'est vraiment le développement durable. Donc, j'aimerais ça que peut-être les prochaines cordes fumantes, s'ils veulent vraiment faire un changement dans une communauté, vraiment laisser une trace puis faire un impact, ce serait vraiment bien de revenir ici puis de continuer tous les projets d'avenir que Pine a planifié pour l'école. Nous réalisons à présent l'impact que cet abri représente pour cette école. Et nous sommes fiers d'avoir atteint tous nos objectifs de pré-départ. Mais ce que nous retirons de cette expérience n'est rien de plus simple que les nombreux sourires qui marquent notre mémoire et cette magnifique culture que nous avons eu la chance de découvrir durant ces 3 belles semaines.